crois que mon souvenir d'enfance le plus ancien doit être l'image du soleil éclaboussant de lumière les vitres colorées du salon oriental chez ma grand-tante Susanna Blandy. Pour mes sœurs et moi, notre grand-tante Susanna, que nous appelions Tantine, avait toujours représenté un personnage plus grand que nature. Se tenant très droite, sa prestance imposante n'avait pas été altérée par l'accumulation des ans et elle avait su conserver le port majestueux, généralement associé aux reines de théâtre. Son monde était un immense logis aux allures de château, comptant une multitude de pièces remplies d'œuvres d'art et d'antiquités et entourées de vastes jardins. Ce domaine était pour nous un royaume enchanté où la limite entre le réel et l'imaginaire était si infime qu'il semblait possible aux contes de fées de devenir facilement réalité. Chez Tantine, rien n'était comme à la maison. Le moindre objet couramment utilisé était sculpté, doré, laqué, broché ou même enveloppé de soie. Lorsqu'elle sortait pour une promenade, Tantine s'appuyait sur une canne en ivoire incrustée de pierreries, tel le spectre d'une maharani. Son parfum avait une senteur troublante que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Sa chambre à coucher ressemblait aux illustrations des contes d'Andersen. Ses téléphones étaient en argent et ses objets de toilette en or. Malgré cela, et en dépit de la profusion d'objets d'art, Maple Ridge n'était pas ce qu'on peut appeler un endroit plaisant. Il flottait dans l'air un je ne sais quoi de sinistre, de menaçant, d'étrange. Quand j'y pense aujourd'hui, il me semble que la sensation de peur indicible que j'éprouvais parfois était en quelque sorte prémonitoire de la mort tragique de Tantine et des révélations qui allaient s'en suivre. L'une des curiosités, et non des moindres, que Tantine ramena un jour de ses voyages, fut son mari, oncle Troy. Tantine devait bien avoir 50 ans lorsqu'ils se marièrent. Oncle Troy était, sans aucun doute possible, beaucoup plus jeune qu'elle. Il avait un côté un peu décadent avec sa fine moustache et ses cheveux gominés. Il semblait avoir une grande connaissance des choses de la vie, sans avoir jamais eu à travailler pour subvenir à ses besoins. Il était, je crois, fort riche, lui aussi, et très bavard. Je me souviens de mon père le décrivant un jour comme un raconteur accompli. Et c'est à partir de ce moment-là que, dans notre famille, l'oncle Troy devint le raconteur. L'histoire de Tantine était encore plus romantique et mystérieuse que celle d'oncle Troy. En effet, à la veille de son mariage, alors qu'elle était une toute jeune fille, son fiancé, Osmond Templeton, l'avait abandonnée, pour ainsi dire, sur les marges de l'église. L'histoire était évidemment bien plus compliquée et avait sans aucun doute un rapport avec la fortune de Tantine, fortune qui nous semblait inépuisable. Mais nos parents n'en parlaient jamais devant nous. Maman nous expliqua seulement que la tragédie qui avait bouleversé la jeunesse de Tantine avait plongé celle-ci dans une infinie tristesse et qu'elle avait tenté de surmonter en faisant plusieurs fois le tour du monde et en s'entourant d'objets précieux. Pendant toutes ces années, je ne me rappelle pas avoir jamais vu Tantine quitter Maple Ridge. À mes yeux d'enfant, elle semblait mener là-bas une vie satisfaisante, dans le calme et la tranquillité. Le domaine était tenu en état par une armée de jardiniers, mais la seule domestique admise à l'intérieur de la maison était Madame Radke. Madame Radke était à la fois cuisinière et gouvernante. Elle avait un aspect rébarbatif, parlait peu, et surtout, n'aimait pas les enfants. Les années ont passé, mais je me souviens parfaitement du jour où, avec mes deux sœurs, nous avons joué pour la première fois à « Quand Tantine mourra ». Nous étions allongés sur l'herbe tiède, derrière la maison, les yeux perdus dans l'immensité du ciel. C'est alors que Myriam, la plus jeune de mes sœurs, dit « Quand Tantine mourra, j'aurai sa canne. Quand Tantine mourra, j'aurai le piano mécanique », répondit Sonia.
Eh bien, moi, quand Tantine mourra, dis-je à mon tour, j'aurai la pagode en teck, incrustée de rubis. La pagode était un meuble d'environ 1,25 m de haut, très belle, très joliment sculptée. C'est ainsi que nous inventâmes ce jeu auquel, avec mes sœurs, nous jouâmes souvent quand nous allions en visite à Maple Ridge. En fait, c'est Tantine elle-même qui nous avait inspiré ce jeu. En effet, un jour que nous étions tous assis au salon en train de boire de la citronnade dans des gobelets en cristal d'une valeur inestimable, Tantine me dit « John, veux-tu aller chercher cette figurine derrière toi? Mais fais bien attention et apporte-la-moi, s'il te plaît. » J'obéis, mais la peur de m'empêtrer les pieds dans l'épaisseur de la moquette me faisait battre le cœur d'une façon insensée. Tantine nous raconta alors d'où provenait la statuette. Prague ou Athènes, je ne me souviens plus très bien. Elle nous fit admirer la grâce du mouvement, les couleurs, les maillages. Ensuite, elle me demanda « Est-ce que ça te plairait de la voir, John ? Eh bien, un jour, quand Tantine mourra, elle t'appartiendra. » Tantine n'avait jamais exprimé ce genre d'idée en présence de l'oncle Troy. Nous avions toujours considéré comme admis le fait qu'oncle Troy survivrait à Tantine, sans doute parce qu'il était infiniment plus jeune qu'elle. Nous en avions donc déduit que Tantine avait dû rédiger un testament secret par lequel elle nous léguait tous ses trésors. J'étais pensionnaire quand je reçus une lettre de maman à laquelle était joint un petit mot m'annonçant que l'oncle Troy était mort pendant son sommeil des suites d'un malaise cardiaque. Ainsi le temps passait. Oncle Troy venait de mourir. Qu'allait devenir Tantine, seule à nouveau? Qu'allait devenir tous ces objets magnifiques qui excitaient notre envie? Tout au long de mon enfance, j'ai été fasciné par ma grand-tante Susanna, que nous appelions Tantine, et par son domaine fabuleux à Maple Ridge. Tantine avait accumulé quantité d'objets précieux dans ce domaine merveilleux. Au cours de nos nombreuses visites chez elle, nous aimions jouer, mes sœurs et moi, à « Quand Tantine mourra », un jeu que nous avions inventé. Quand Tantine mourra, j'aurai ses bijoux, disait Myriam. Moi, quand Tantine mourra, j'aurai son piano mécanique, disait Sonia. Moi, quand Tantine mourra, disais-je à mon tour, j'aimerais bien la gondole en teck sertie de rubis, celle qui se trouve dans le salon oriental. Et le temps passa. Le temps passa. Tantine vécut les dernières années de sa vie dans une réclusion de plus en plus farouche, négligeant toute correspondance et n'encourageant plus les visites. Son âge était un secret des mieux gardés, mais nous savions qu'elle était plus près de 90 ans que de 80. Peu de temps avant Noël, toute la famille s'était retrouvée chez Tantine pour la durée d'un week-end prolongé. Mon père, ma mère, mes sœurs, moi et ma jeune femme, Stéphie. Je me rappelle avoir éprouvé beaucoup de peine en revoyant Tantine. Elle me sembla être devenue taciturne et me parut complètement désorientée par la soudaine irruption de toute la famille. Elle n'en finissait pas de s'excuser auprès de Stéphie, ma jeune femme, de ne pas être capable de retenir son nom. Sa santé déclinait et elle refusait toujours de voir un médecin. Ce soir-là, nous avons dîné dans la salle à manger de gala. Le feu de bois crépitait dans la cheminée pendant qu'au dehors soufflait un violent blizzard. Maman et Stéphie, ayant préparé le repas, mes deux sœurs s'étaient senties obligées d'entreprendre la vaisselle. Un peu plus tard, ne sachant trop quoi faire,
Nous nous sommes tous retrouvés au salon oriental, mal à l'aise dans notre application à faire semblant de ne pas remarquer la décrépitude de tout ce qui nous entourait. Vers 9h30, Tantine se mit à bâiller et, sans un mot, alla se coucher. Pendant la nuit, quelque chose m'a réveillé. Stéphie et moi avions une chambre donnant sur le devant de la maison, juste au-dessus de la porte d'entrée. Ma montre indiquait presque 2 heures, lorsqu'un bruit que je fus incapable d'identifier me réveilla en sursaut. Immobile, je me souviens d'avoir attendu qu'il se reproduise, mais j'avais dû me rendormir lorsque retentit le cri qui réveilla toute la maison. Sans prendre le temps d'allumer la lumière, Stéphie et moi avons bondi dans le couloir obscur. Le hurlement strident avait fait place à un gémissement rauque, amplifié par la montée de la cage d'escalier et qui nous glaçait d'effroi. Au bas des marches, livide et dans un état proche de l'hystérie, nous avons trouvé Madame Radke, la vieille gouvernante. Elle tendait la main vers le rideau de perles qui ornait la porte du salon oriental. Toute la famille était maintenant rassemblée sur le palier du premier étage. Nous nous sommes tous engouffrés dans le salon oriental dont toutes les lampes étaient allumées. Tantine gisait sur la moquette devant la pagode en teck sertie de rubis. Une plaie ouverte au front, il était évident qu'elle était morte. 3 figurines en porcelaine habituellement placées dans une des niches de la pagode avaient dû être renversées. Elle n'était pas cassée, mais se trouvait par terre. Le médecin arriva dans les minutes qui suivirent notre appel. Depuis presque 2 ans, il suivait Tantine pour une insuffisance coronarienne et de l'arthrite, et il n'était pas convaincu qu'elle soit morte d'une crise cardiaque. Aussi appela-t-il la police. S'appuyant sur le fait qu'une personne frappée d'une crise cardiaque dans une maison pleine de monde sort rarement de son lit pour aller se promener seule au rez-de-chaussée, le médecin considérait tout à fait possible le fait que quelqu'un ait pu lui asséner un coup mortel. Seule une autopsie pourrait déterminer ce qui avait tué Tantine. L'arrivée de la police provoqua une nouvelle crise d'hystérie chez Madame Radke. Ébahie à la vue du musée hétéroclite dans lequel vivait Tantine, les policiers firent le tour de la maison, examinant une succession inépuisable de massues, coutelas, candélabres et autres pique-feu en cuivre. Quand le jour se leva, ils avaient pris des 12aines de photos, confisqué 9 armes potentielles, enregistré la déposition de chacun d'entre nous et emmené Tantine à la morgue. Le verdict du médecin légiste déclarant que Tantine était morte d'une simple crise cardiaque fit perdre à l'événement l'importance que la presse lui avait accordée. L'enterrement fut des plus lugubres, suivi seulement par les membres de la famille et par Madame Radke. Un peu plus tard, des hommes de loi vinrent jusqu'à la propriété afin d'y rencontrer mon père et son frère, l'oncle Gordon, tous deux co-exécuteurs du testament. C'est ainsi que nous apprîmes que Tantine n'avait pour ainsi dire pas laissé un sou. La maison et son contenu allaient être mis en vente et le produit de cette vente serait réparti entre nous tous et Madame Radke. Avant la vente, on nous donnait la possibilité d'examiner les biens de Tantine et de nous les partager après accord mutuel. Ce samedi-là, les formalités légales étant accomplies, il nous fut donc possible d'avoir accès à la propriété de Tantine. Nous étions donc, une fois de plus, tous rassemblés dans la vieille maison. Entourés d'un bric-à-brac de fanfreluches, de babioles et d'objets de pacotille plus fascinants les uns que les autres, nous avons vécu hors du temps les 2 ou 3 jours qui suivirent. Il y avait des enfilades de pièces entièrement garnies de meubles robustes et démodés, de pleins coffrets débordant de bijoux fantaisie retraçant l'évolution de la mode sur plus d'un demi-siècle, et les greniers regorgeaient jusqu'au chevron des acquisitions de toute une vie. Il nous fallut peu de temps pour découvrir ce que nos parents n'avaient jamais réalisé.
Tantine était affligée d'un besoin maladif d'accumuler. Nous avons trouvé roulés des tapis persans d'une valeur inestimable et qui n'avaient jamais vu la lumière du jour depuis plus de 40 ans. Il y avait des souliers, des bottes, des gants, des sacs à main en charpie, des fourrures mangées au mythe et en lambeaux, des robes du soir de toute beauté qui, de toute évidence, n'avaient jamais été sorties de leur emballage d'origine. Pendant que nous nous amusions au milieu de toutes ces trouvailles ou que nous nous querellions gentiment sur le partage du butin, mon père et oncle Gordon s'étaient attaqués à un énorme secrétaire rempli de vieux papiers, de lettres, de coupures de presse, de reçus de toutes sortes et de livres de comptes. Au cours du déjeuner, ils nous firent part du fruit de leurs investigations. Ils nous montrèrent d'abord un article très ancien qui relatait une agression à main armée dans une rue de Montréal. La victime avait survécu et son assaillant, notre grand-oncle Troy, avait été remis en liberté grâce à l'appui d'amis influents, après seulement quelques heures passées en prison. Les deux autres articles étaient encore plus étrangement dramatiques. L'un rendait compte de la mystérieuse disparition d'Osmond Templeton de Philadelphie la veille de son mariage avec Mademoiselle Susanna Blandy, notre tantine. Osmond Templeton avait disparu sans laisser aucune trace, abandonnant une fiancée inconsolable et laissant la police confondue. L'article était accompagné de la photo d'un jeune homme dégageant une certaine suffisance. La même photo apparaissait dans le troisième article qui avait été publié près de 2 ans plus tard. Cet article révélait la découverte accidentelle du corps d'Osmond Templeton dans un placard inutilisé du grenier de la demeure familiale à Merton Park. Dans ses poches, on avait trouvé une alliance et 2 billets de train pour Chicago. Apparemment, Osmond s'était dissimulé dans le placard au cours de l'après-midi ou dans la soirée du jour précédant le mariage et s'y était trouvé enfermé par inadvertance. Et l'asphyxie l'avait terrassé malgré les efforts désespérés qu'il avait faits pour sortir. Ses appels et les coups frappés sur la porte avaient été étouffés par la robustesse et l'épaisseur des cloisons du placard qui se trouvaient dans un endroit reculé du grenier. Mon père nous expliqua d'où provenait tout l'argent dont Tantine avait disposé tout au long de son existence. C'était l'argent de Templeton. Il n'avait pas laissé de testament, mais à l'époque, il était courant de signer un contrat de mariage un jour ou deux avant que la cérémonie ait effectivement lieu. Dans le cas de Susanna, un jugement a été rendu, signifiant que le contrat tenait lieu de testament. Mais elle a dû toucher une fortune énorme, car à peine 2 ans auparavant, Templeton avait hérité de plusieurs mines de charbon. Oui, et une sacrée fortune. Il aura fallu à Tantine, comme vous l'appelez, une 60aine d'années pour en venir à bout. Je dois dire que je n'eus aucune difficulté à obtenir la pagode sertie de rubis. Tout le monde savait que j'avais toujours souhaité la voir et, de toute façon, elle était maintenant bien trop liée à la mort de Tantine pour que quiconque eût envie de se l'approprier. J'ai décidé de placer la pagode dans le salon de mon nouvel appartement. Stéphie, ma jeune épouse, voulait qu'on la décape. Elle était en train de s'appliquer à la frotter doucement quand, brusquement, la pagode s'ouvrit en 2 parties inégales, révélant à la base une cavité contenant un épais rouleau de papier. J'imaginais que Tantine essayait de sortir ses billets quand elle est morte, ce qui expliquait les figurines trouvées par terre intactes. Elle avait dû les déposer elle-même avant de tenter d'ouvrir le compartiment secret. Le cœur battant, je me saisis des billets. Il s'agissait d'obligations or d'une valeur de $1,000 chacune. Il y en avait 50. En dessous se trouvait un petit sachet de toile rempli de poussière d'or et également un morceau de papier jauni. Le lendemain, nous portions au notaire les valeurs et l'or, mais le papier jauni fut brûlé le soir même. Je me souviens parfaitement du message qu'il contenait. « Ma chérie, demain tu seras ma femme.
Ce soir, avant que la fête commence et dès que tu auras pu te libérer de ta famille, viens me retrouver au grenier. Je t'attendrai dans le placard. Osmond. J'étais pétrifié. Ainsi, il était facile d'imaginer que ce soir-là, pour une raison que nul ne connaîtrait jamais, Tantine avait enfermé son fiancé dans le placard, le vouant à une mort certaine. Et tout à coup, me revint une phrase que répétait souvent notre Tantine. Elle disait « L'enfer n'existe pas ». J'espère pour elle qu'elle ne se trompait pas. Commissaire au compte me dit soudain « Écoutez, monsieur Webster, nous ne pouvons pas accepter cela. » « Accepter quoi, monsieur Stuart ? Vous avez trouvé un déficit ?»« Ce n'est pas cela, monsieur Webster. C'est même l'inverse, voyez-vous. Votre banque a 10 dollars de trop en coffre. Oh, » « Évidemment, ça n'est pas très régulier, monsieur Stuart. Mais vous m'avez fait peur. » « Je préfère cela. » Vous ne pouvez pas écarter ce problème aussi légèrement, monsieur Webster. Vous savez très bien que vos comptes doivent tomber juste au centime près. Même pas au dollar, au centime près. Ben, voyons, monsieur Stuart, il ne s'agit que de 10 dollars de trop, monsieur Webster. Je vais être obligé de faire un rapport à la commission. Mais si vous faites un rapport, vous savez ce que ça veut dire, monsieur Stuart. Il y aura une enquête. Avez-vous quelque chose à cacher, monsieur Webster ? Mais bien sûr que non, monsieur Stuart. Nos livres sont parfaitement en ordre. Mais tellement en ordre que vous vous retrouvez avec 10 dollars de trop dans vos réserves en liquide. Il faut regarder les choses en face, monsieur Webster. Quelqu'un a déposé de l'argent dans votre coffre et peut-être non. Non, impossible, monsieur Stuart. Monsieur Barger et madame White travaillent avec moi depuis des années. J'ai en eux une confiance aveugle. Sont-ils vos seuls employés, monsieur Webster ? Oui, monsieur Stuart. Nous ne sommes qu'une petite banque dans une petite ville. Et ils ont tous les deux accès au coffre. Oui, je le reconnais, mais je ne peux pas les imaginer, l'un ou l'autre, agissant de manière malhonnête. Néanmoins, l'un d'eux est coupable, monsieur Webster. Monsieur Stuart, s'il vous plaît, êtes-vous absolument certain de ne pas vous être trompé? Je ne me trompe jamais, monsieur Webster. Monsieur Stuart, ça fait 10 ans que vous inspectez mes livres de compte. C'est bien la première fois que vous trouvez quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Écoutez, au nom de ces 10 ans de rigueur, ne pourriez-vous inspecter à nouveau mes livres demain, uniquement pour avoir une certitude absolue avant d'envoyer votre rapport? S'il vous plaît. Bien, d'accord, monsieur Webster. Je reviendrai demain matin à 9 heures très précises. Monsieur Stuart parti, je sors de mon bureau pour me rendre dans les locaux de la banque. L'heure de la fermeture est passée, mais Monsieur Barger et Madame White sont toujours à leur poste, derrière leur comptoir. Mes bons amis, savez-vous ce que Monsieur Stuart a découvert ? Il y a 10 dollars de trop. Vous vous rendez compte de tout ce que cela signifie ? Il va y avoir une enquête. Le bruit va se répandre que nous tenons nos livres de compte de façon négligente et je ne serais pas étonné que tous nos clients se précipitent à la banque pour retirer leurs fonds. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre. Voilà plus de 20 ans que vous travaillez tous les deux avec moi. Je pensais que nous ne nous contentions pas d'avoir des rapports d'employeur à employé. Je pensais que nous étions des amis.
Je ne sais pas lequel d'entre vous est responsable, ni quelles sont les circonstances qui vous ont conduit à agir ainsi. Mais après tout, puisqu'il ne s'agit que de 10 dollars, il me semble que nous pouvons facilement rectifier cette erreur. Heureusement, j'ai réussi à persuader M. Stuart de revenir demain effectuer une nouvelle vérification. Alors maintenant, je vais tout simplement aller retirer du coffre un billet de 10 dollars. Ainsi, nos liquidités seront au niveau voulu. Ce n'est pas véritablement du vol, n'est-ce pas? Je ferai don de ces 10 dollars à la Croix-Rouge ou à quelque œuvre de charité. Henry Barger est un petit homme mince et voûté, de quelques années plus âgé que Madame White. C'est lui qui prend la parole. Ah, Monsieur Webster, c'est pas possible. Je viens de fermer la salle des coffres et de mettre la minuterie en marche. La porte ne se rouvrira pas avant 9h demain matin. Nous pourrions peut-être retirer les 10 dollars demain matin. Non, Henry. Stuart m'a assuré qu'il sera là à 9h précises et je ne l'ai jamais vu en retard. Je suis chez moi dans la soirée quand ma sonnette résonne. Je vais ouvrir. C'est Henry Barger. Pourrais-je vous dire un petit mot, Monsieur Webster? Mais bien sûr, Henry, entrez. Nous passons dans la salle de séjour. Barger s'assied timidement sur le bord d'un fauteuil. Monsieur Webster, j'ai longuement réfléchi. Je voudrais pas que vous pensiez que Madame White puisse être responsable des difficultés de la banque. Monsieur Webster, c'est moi qui ai mis les 10 dollars en trop. Vous? Mais Henry, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Je ne l'ai pas fait exprès, Monsieur Webster. C'était, comment dire, par accident. Et comment cela s'est-il produit, Henry? Les courses, Monsieur Webster. Les courses? Oui. Je connais un bookmaker à Clinton, Monsieur Webster. C'est une boîte assez importante, avec une douzaine d'employés, si c'est pas plus. Tout le temps au téléphone. Ils prennent des paris de partout, même de New York et de Philadelphie. Vous avez joué aux courses, Henry? Oui, Monsieur Webster. Comprenez, il y avait les factures de l'hôpital et j'avais du mal à rembourser mon prêt. Je ne gagne vraiment pas beaucoup, Monsieur Webster. Je le regrette, Henry, mais enfin, vous savez que nous sommes une petite banque. Oh, je ne me plains pas, Monsieur Webster. Je connais la situation. Enfin, Henry, vous savez bien qu'on ne peut pas gagner de l'argent aux courses de chevaux, voyons. Oui, c'est vrai, Monsieur Webster. D'abord, ça a été 2 dollars, et puis 5, et puis 10. Bon, je gagnais de temps en temps, bien sûr, mais je ne faisais que m'enfoncer davantage chaque jour. Et où preniez-vous l'argent, Henry? À la banque, Monsieur Webster. Après avoir pris environ 2000 dollars, je me suis rendu compte que je ne serais jamais capable de rembourser la banque, à moins de faire un coup fumant, comme on dit. Alors, j'ai risqué un pari de 2000 dollars sur un cheval appelé Black Jack. Et vous avez perdu, bien évidemment. C'est toujours comme... Non, Monsieur Webster, non. Black Jack est arrivé à 10 contre 1. Alors, j'ai pu régler les factures de l'hôpital. J'ai pu rembourser mon prêt dans sa totalité. Et j'ai remis dans le coffre l'argent que j'avais emprunté. Je suppose que j'ai dû remettre 10 dollars de trop. Je suppose que vous allez me renvoyer, Monsieur Webster. Quelle décision va prendre M. Webster? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. M. Stuart, le commissaire aux comptes chargé de vérifier les avoirs de la banque que dirige M. Webster, vient de découvrir que l'agence détient dans ses coffres 10 dollars de trop. M. Webster a obtenu, grâce aux liens d'estime qui les unissent, que M. Stuart procède le lendemain matin à une nouvelle vérification avant d'établir et d'envoyer son rapport à la haute direction.
Mais le soir même, de retour chez lui, Webster reçoit la visite d'un de ses deux employés, Henry Barger, qui lui avoue avoir puisé jusqu'à $2,000 dans les caisses de la banque pour jouer aux courses. Le vieil homme pensait avoir remboursé intégralement cette somme, mais sans doute a-t-il remis un billet de $10 en trop. Quelle va être la réaction de M. Webster après cette confession ? À quoi bon renvoyer Henry Barger maintenant ? Il a remboursé la banque. Inquiet, il me suit du regard tandis que j'arpente nerveusement la pièce. Henry, il faut que d'une façon ou d'une autre, nous parvenions dans la chambre au coffre avant Stuart. Finalement, une idée me vient. J'y suis. Il suffit que nous fassions en sorte que Stuart ne soit pas à la banque au moment où le coffre s'ouvrira. Oui, Monsieur Webster, mais comment ? Dites-moi, Henry, quand il vient en ville, il descend toujours à l'hôtel des armes, ça n'est pas très loin de la banque, je sais qu'il vient toujours à pied. Oui, Monsieur Webster. Eh bien, je vais me trouver passé par là par hasard et je le prendrai dans ma voiture. Je me débrouillerai en chemin pour tomber en panne, de façon à ne pouvoir être à la banque à 9 heures précises. Oh oui, Monsieur Webster, et moi j'y serai quand la salle des coffres s'ouvrira. Je me précipiterai pour retirer les $10. Parfait, Henry. À présent, promettez-moi une chose. C'est la dernière fois que vous puisez de l'argent dans la banque. Oh oui, croyez-moi, Monsieur Webster, la leçon à porter, comme on dit. Ça ne paye pas de jouer aux courses. Le lendemain matin, j'achève de petit déjeuner au bar en bas de chez moi quand Madame White paraît sur le seuil. D'un air hésitant, elle s'approche de ma table. Monsieur Webster, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que je me faisais vraiment trop de soucis. Madame White, je crois que nous pouvons cesser de nous tracasser à propos de tout ça. Non, je ne peux pas me défiler, Monsieur Webster. Je ne peux pas vous laisser, ne serait-ce même qu'envisager que ce cher Henry puisse être critiqué. Monsieur Webster, c'est moi qui ai mis les $10 supplémentaires dans le coffre. Vous comprenez, Monsieur Webster, j'ai eu 6 enfants, j'ai 8 adorables petits-enfants, et mon Dieu, les temps ne sont pas aussi faciles qu'ils pourraient l'être, n'est-ce pas? Chacun a besoin que je l'aide de temps en temps. Aucun d'eux n'avait suffisamment de références pour obtenir un prêt de la banque. Alors, parfois, j'ai essayé de leur faciliter un peu la vie, vous comprenez? Combien avez-vous pris, Madame White? Ce sont tous des gens très bien, Monsieur Webster, mes enfants. Courageux, méritants, étant donné que je travaille dans une banque où il y a un tas d'argent qui ne reste à rien faire. Combien avez-vous pris, Madame White? $2,500.98. J'éprouve momentanément une certaine curiosité quant aux 98 cents, mais je l'écarte. Madame White, vous avez fait une grosse bêtise. Oh oui, Monsieur Webster. Vous comprenez, $20 par-ci, $20 par-là, et tout cela s'est additionné. Et bien entendu, Madame White, aucun de vos enfants ne vous a remboursé. Ah, mais si, Monsieur Webster. Chacun d'eux est jusqu'au dernier centime. Mais je croyais avoir scrupuleusement noté ce que je prenais. D'une façon ou d'une autre, un billet de $10 a dû s'ajouter aux autres, voyez-vous. Monsieur Webster, j'endosse la pleine responsabilité de ce que j'ai fait. Je suis prête à payer ma faute. Je ne regrette rien. J'ai eu une vie bien remplie. J'espère seulement qu'on autorisera mes petits-enfants à venir me voir en prison. Je ne pense pas qu'on en arrive là, Madame White. Vous allez me renvoyer, Monsieur Webster. J'ai perdu votre confiance. Non, Madame White. J'ai déjà établi un précédent. Oh, Monsieur Webster. Vous seriez étonné d'apprendre tout le bien qu'a fait cet argent, au lieu de rester à moisir dans ce vieux coffre. Élise a pu acheter la machine à laver dont elle avait tant besoin avec ses 3 petits-enfants. Et Marianne a pu s'acheter une robe pour la fête de l'école.
Croyez-vous, sa vie aurait été absolument gâchée si elle n'avait pu trouver les $45.98. Madame White, je crois que nous allons pouvoir tout arranger. Oh, vous le pensez vraiment, Monsieur Webster? Oui, Madame White. Je vais prendre Monsieur Stuart dans ma voiture et sur le chemin de la banque, j'aurai quelques ennuis mécaniques. Et pendant ce temps-là, Henri sera dans la salle des coffres au moment où elle s'ouvrira, de façon à épurer la situation. Oh, quelle idée brillante, Monsieur Webster. Mais vous feriez bien de vous dépêcher. Mais j'ai tout mon temps, Madame White. Il n'est que 8h15. Madame White consulte la petite montre en or qu'elle a à son poignet et jette un coup d'œil par-dessus mon épaule à l'horloge murale. Ah, je crois que votre montre retarde, Monsieur Webster. D'après la pendule qui est là, et d'après ma propre montre, il est 9h10. Vite, Madame White, on peut encore tout réussir. Nous sortons à hâte du restaurant pour foncer vers ma voiture garée à proximité. Là, je m'arrête pétrifié au moment de glisser ma clé dans la serrure et je tends le trousseau de clés à Madame White. 30 secondes s'écoulent avant que je ne puisse parler. Madame White, voulez-vous s'il vous plaît prendre place dans la voiture? Le pneu avant est crevé, je dois changer la roue. Nous arrivons à la banque à 9h10. Le visage d'Henry Barger est livide. Monsieur Stuart est arrivé avant l'ouverture du coffre. Que s'est-il passé, Monsieur Webster? Je vous raconterai, Henry. Nous nous asseyons tous les trois pour attendre. Les minutes s'écoulent lentement. Le temps nous paraît s'être immobilisé. Enfin, à 10h30, Stuart ressort de la salle des coffres. Son visage est rouge de confusion. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, n'est-ce pas? Pardon, quoi donc, Monsieur Stuart? Il agite la liasse de billets de $10 qu'il tient à la main. Dieu sait comment un de ces billets s'est plié en deux, si bien que lorsque j'ai vérifié cette liasse hier, j'ai compté deux fois le même billet. Deux fois, vous imaginez? Si j'avais compté la liasse de l'autre côté, il vous aurait manqué $10. Henry Barger, Madame White et moi-même regardons éperdus Stuart avec son visage cramoisi. Ah, ça aurait pu arriver à n'importe qui, n'est-ce pas? Ce qui signifie, Monsieur Stuart, que nos comptes... Sont exacts, Monsieur Webster, au centime près. À midi, alors que je déjeune comme tous les jours à l'Étoile d'Or, je vois arriver vers moi ce Monsieur Sprague, que je connais bien et qui habitait New York autrefois. Il sort un bloc et un crayon de sa poche. Bonjour, Monsieur Webster. Alors, quel est votre cheval aujourd'hui? Aucun, Monsieur Sprague. Je ne jouerai plus aux courses. Comment? Vous abandonnez maintenant, après avoir gagné le paquet avec Black Jack, $10,000, c'est bien ça? C'est bien ça, Monsieur Sprague. Mais j'abandonne tout de même. Et je me tiendrai à cette décision. Comme dit Henri, la leçon à porter. C'est dangereux de jouer aux courses. Et puis, j'ai eu trop peur. Car pendant un moment, comment ne pas penser que c'était moi qui avais mis un billet de trop dans le coffre ?